Eh bien, salut à tous, c'est Derko pour une nouvelle vidéo de notre Let's Play sur Dead Space 2 et on attaque ensemble notre épisode 15, toujours à bord de l'USG Ishimura. Et oui, l'épisode 14 a été relativement mouvementé à cause du couloir qui était juste derrière cette porte-là, où j'ai été, on va dire, attaqué de tous les côtés, ainsi que sur la voie de tram par deux tanks, chose qui m'a assez surprise, faut dire ce qui est. Donc, petit rappel scénaristique, si j'ai l'occasion, sachant que je crois qu'il va y avoir... je vais avoir de la compagnie assez rapidement, en fait, dans cette pièce. Donc, petit rappel scénaristique, nous sommes à bord de l'USG Ishimura, puisque Tineman, en fait, avait coupé la méduse en deux. Je tends l'oreille toujours, hein, on sait jamais. Il avait coupé la méduse en deux, afin de nous empêcher de rejoindre le siège étatique... le siège du gouvernement, pour que pour éviter que nous allions au niveau du monolithe pour le détruire. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. En haut, il y a des... Hop. Et la raison pour laquelle nous sommes à bord du USG Ishimura, c'est parce que, rappelez-vous, c'est un vaisseau de minage, un vaisseau de forage qui a notamment un rayon tracteur qui serait capable, possiblement, de faire en sorte de stabiliser la méduse afin que Ellie, Strauss et nous-mêmes puissions rejoindre le siège étatique. Donc là, une petite énigme. Il faut que je trouve les pièces. Elles sont, sans déconner, là. J'en ai vu une, ouais, mais. Et les autres, elles sont. Alors déjà, là, il y a notre caisse que je prends parce que les munitions, je vais pas dire non, vu comment je les ai utilisées la dernière fois. Alors c'est W pour que je me réoriente. Ouais, alors, normalement, il manque une pièce. Ouais, mais... Je suis pas fou, là. Il manque deux pièces, là. Je suis aveugle ou quoi? Je les vois pas, sans déconner. Hop. Non, mais on s'en fout de ça. Hop, c'est ça que je vais faire. Ah, bah voilà, il y en a une là-bas. Ah, je suis vraiment aveugle, hein. Hop, viens là, toi. Tac, alors il faut que je trouve un endroit où lequel est. Donc là, non. Il faut que je le mette. Ouf, sans déconner. Donc là, non. Il va ici. Nickel. Il manque visiblement deux pièces encore. Alors on va se poser là, histoire d'avoir une vue d'ensemble. Ah bah en plus, là il y a les munitions, je les avais pas vues tout à l'heure. Parfait. Alors, sans déconner, je suis bigleux aujourd'hui, c'est pas possible. Oui, parce que j'ai, pour faire simple, là, on est le lendemain du jour où j'ai tourné l'épisode 14. Je me suis réveillé il y a environ une heure, même pas. Je suis en week-end là. On est samedi. Et donc, je suis pas forcément totalement réveillé. Résultat, il se peut que j'ai du mal à réfléchir comme il faut. Hein ? Il manque une pièce. Une seule et unique pièce. Et. C'est un truc qui est censé clignoter rouge. Faut le voir quand même. Ouais, ouais, ouais. Là. Ce satané système de refroidissement est en 1000 morceaux. Ah bon ? Ça ne marchera que si les tubes sont connectés. Ouais, ce que j'ai envie de faire, t'inquiète pas. Nickel. Le siège du gouvernement sera bientôt hors d'atteinte. Je sais, je fais aussi vite que je peux. Je te préviens quand j'ai fini. Voilà. Centrifugeuse activée. Bah finalement, j'aurais pas eu de... J'aurais pas eu de compagnie. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas si vous vous rappelez. Quand la première fois qu'on était venu, en fait, on avait dû courir tout le long du truc parce que là où je suis, ici, là, en fait, il y avait une substance qui nous empêchait de passer. C'est pas une substance. Un amoncellement de chair humaine
transformé par le monolithe, ce qui nous empêchait de passer. On avait dû courir en bas et éviter de se faire choper par la centrifugeuse. Ok, donc... Et je sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé lors du premier épisode. Enfin, du premier jeu. Voilà. Donc, ce que je disais hier, à savoir que pour moi, les souvenirs s'en mêlent entre Dead Space 1 et Dead Space 2, visiblement, c'est la même chose pour Isaac. Donc, rappelez-vous, c'est ici que j'ai morflé comme pas possible hier. Enfin, hier pour moi, avant-hier pour vous. Ok. Nous sommes presque détachés des rails magnétiques. À bientôt. D'accord. Donc, la salle de décontamination... Je vais vraiment pas l'apprécier du tout pour une simple et bonne raison. C'est parce que ça sert plus ou moins comme au début, enfin comme dans Dead Space 1. C'est vrai que je vais avoir de la compagnie, sauf que j'avais dit lors du dernier épisode que les nécromorphes qui allaient me rendre visite n'allaient pas passer par les conduits d'aération. Ils vont passer par les vitres. Et j'aime pas les bruits qu'il y a là. Allez. Putain de merde, j'avais raison. Calme-toi, toi. Du calme. Du calme. Résultat, là, je peux pas me protéger en fait en restant dans un coin. Je voulais rester au milieu. Putain, la vache, comme il gueule! Ok, alors ça, c'est pas un gamin par contre. Oh, ça doit faire mal. Enfoiré de merde. Alors... Ok, bon, le problème en fait, c'est que quand je me fais vomir dessus, je peux bouger carrément moins rapidement en fait. C'est pour ça que je pouvais, j'étais pratiquement figé, mais c'était pas moi, c'était Isaac lui-même qui était légèrement figé. Kit de soins médium, c'est bien ça. J'ai pris un truc qu'il fallait pas que je prenne, je crois. Oui, ça va me consommer de la place pour rien, donc autant le déposer. Je vais utiliser ça. Ouais. Et on est parti. Commence à m'inquiéter. Écoute. Je n'aurai pas. N'aurai jamais, mon fils. Papa n'est pas un tueur. Je ce n'est pas lui. Si c'est lui. Vous n'avez pas suivi les étapes, c'est pour ça. Rose, l'aiguille vous montrera. Rose, tournevis. Ouais, donc soit c'est en train de péter un câble, visiblement elle s'en prend un petit peu à Ellie, ce qui est problématique. Hein. Donc j'avais dit que j'allais augmenter le module de stase. Alors, je fais quoi plutôt? Charge ou énergie? Ah, plutôt augmenter l'énergie, comme ça j'aurai un tir de stase en plus. Parce que je vais passer à 3 tirs de stase possibles avec une seule charge. Voilà. Enfin 4 tirs de stase puisque pour le moment j'en avais que 3. Vous voyez là sur le bas, enfin à l'arrière du... Ah tiens. Au niveau de recharge, enfin de la jauge de stase on va dire, j'ai 4 tirs qui sont disponibles. Toi là, toi mec, t'es pas discret. Et surtout t'es assez résistant. Bref. On va continuer. Puisque c'est bien beau d'avoir remis la centrifuge en place, il faut maintenant utiliser le rayon tracteur. Et pour ça, je crois savoir où est-ce qu'on va aller. Parce qu'en fait, dans l'usine chez moi, on va visiter que deux endroits. Le premier, c'est la centrifugeuse. Et le deuxième, il s'agit du pont. Enfin, de la passerelle. Passerelle de commandement. Et vous verrez que la passerelle de commandement a légèrement changé. Ce qui est normal, j'ai envie de dire. Je tends l'oreille, on sait jamais. Hein. Dans ce jeu-là, on sait vraiment jamais. Ok,
je sauvegarde, même si j'ai sauvegardé il y a pas longtemps. Je préfère sauvegarder régulièrement, on sait jamais. Ok. On est à 5 heures de jeu quand même au total. Hein. J'avais dit que ce jeu était plus court, mais quand même, enfin, ouais. Là on est à l'épisode 15. Ok. Alors vu qu'il y a 4 sangsues, mais putain de merde. Les sangsues elles m'attaquent pas? Bon bah les sangsues m'attaquent pas, je vais pas me plaindre, remarque, hein, vous allez me dire. Ah on va utiliser le tram. Oh non, je sais ce qui va se passer. Bon ça va être un cliché mais c'est pas grave. Ça qui est bon en même temps dans le jeu. Alors toi je t'ai séché, alors par contre il y a de plus en plus de sangsues, c'est un truc que j'apprécie moyennement ça. Alors ça je prends, ça je prends. Allez ciao les meufs, enfin les petits sangsues. Et là cette fois-ci on est... J'y suis bientôt. Je vais à la passerelle pour activer les rayons tracteurs. Voilà, c'est ça, okay. La passerelle. Ils arrivent par l'unité médicale. Tu ferais mieux de la contourner. Obstacle repéré sur la voie. Mise hors tension. Bienvenue à l'unité médicale. Merde. Comme de par hasard, c'est dingue ça. Et l'unité médicale, l'aile médicale, j'en ai un très très mauvais souvenir. Ouais, enfin en même temps, moi, une voix comme ça qui me dit avant si Isaac n'est pas peur, moi je lui dirais bah tu vas te faire foutre en fait, gentiment. Alors, l'unité médicale, j'en garde un très mauvais souvenir pour une simple et bonne raison, et vous savez très bien laquelle c'est si vous avez regardé mon premier let's play. Ouh, les belles traces de sang. C'est l'Ubermorph. Mais bon, l'Ubermorph n'est pas dans l'aile médicale là. Ah putain, la gueule toi. Tu te calmes. Chacun son tour, il y en aura pour tout le monde les mecs. Ah sans déconner. C'était pas tout à fait ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Hop là, nickel. Il leur fait le lac des signes ou quoi là? Balle de fusil d'assaut, on s'en fout. Balle chercheuse, on s'en tape. Donc oui, l'aile médicale, qui est l'endroit où nous avions affronté l'Ubermorph pour la première fois. Et nous arrivons d'ailleurs par la chambre de stase avec un point de force ici, ce que je vais clairement pas cracher dessus. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tout qui est en lumière noire? C'est peut-être pour justement repérer les traces de sang et pour être sûr qu'il n'y en ait plus. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai tout d'un coup un doute par rapport à ce qui va se passer dans cette salle. Si je vais avoir de la compagnie ou pas. Parce que là-bas, la porte est fermée, là, on est d'accord. C'est rouge. Je suis pas fou. Donc je vais avoir de la compagnie. Voilà. Plus tu le... Je savais qu'il allait me péter à la gueule cet enfoiré. Bon, l'avantage c'est qu'il a buté son pote. Bon, eh ben, j'ai deux mini kits de soins, on va les utiliser, hein, ma foi. Hop. Ah oui, mais je peux pirater la porte. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bah, il y a un mini kit de soins en plus. Ah là, vu que de toute façon j'ai été squinté, autant en profiter. 2500 crédits, je vais pas cracher dessus. J'aurais pas. Comment dire, chose genre des munitions par terre, non? Bon, allez vous faire foutre. Pas grave. On a 15 minutes, pratiquement 15 minutes de vidéo déjà. Hein. C'est, ça va assez vite. Hein. Donc oui, je pense qu'on va rester. On va pas avoir le temps de terminer totalement l'Ishimura dans cet épisode-là.
Ce qui veut dire qu'on aura en fait 3 épisodes consacrés à l'USJ Ishimura. Donc il y a des chances. Il y a des chances que Let's Play dépasse les 18 épisodes. Non, sans déconner, j'étais aussi proche que ça, faut arrêter de déconner là. C'est quoi ce vol? Bon. En effet, ils arrivent par l'aile médicale, hein. Donc là on est dans l'aile médicale, ils arrivent, oui. Elle avait raison, Ellie, j'allais dire Nicole. Ellie, elle avait raison. Il y a du people, hein. J'aurais pas un autre mini kit de soin, non. Bah on va attendre de se faire plus esquinter avant de pouvoir continuer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, donc, oui, il y a des... Non, ça on s'en fout ça en fait. Ça je prends par contre, oui. Oh merde. Et pour ceux qui se rappellent... on arrive dans le labo de Mercer. Donc Mercer, ce n'est pas Alex Mercer, hein, comme dans le prototype. C'est le Mercer qui avait créé le Burmorph et qui nous l'avait gentiment libéré dans la gueule. Putain la vache, il n'y avait pas autant de sang, c'est pas possible. C'est immonde. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas... Ouais, c'est dérangeant en même temps de revoir ça comme ça. Hein. Ouais, donc là c'est... Eh oh, tu te calmes direct mec. J'étais en train de parler, merci. Ok, tu te calmes. Donc je récupère le point de force. Voyons voir. 1600 crédits, bon à la limite hein, je t'autorise à m'interrompre, 1600 crédits, je vais pas dire non. C'est dérangeant de revoir... le dernier message de Nicole comme ça, le message qu'elle nous avait envoyé. Ça fait un petit peu mal au cœur. Donc, comme, enfin, ceux qui ont suivi le Let's Play sur le premier Dead Space, le Let's Play que j'ai fait, ils reconnaissent l'endroit, évidemment. Et donc, le laboratoire, enfin, la petite salle dans laquelle il y a eu justement le fameux message de Nicole, c'est la salle dans laquelle... L'Ubermorph a été libéré. Ok, c'était un fail. Dégage, toi. Faut que je passe par là, de toute façon. Faut qu'il arrive. Oui, oui, en effet, il y a beaucoup de compagnie, là. Hein. On a de la compagnie, c'est clair. Ah. Bon, c'est pas grave. Et on garde le même schéma que... pour le premier Dead Space, à savoir... Vas-y, ramène-toi, mon gros. Ils ont gardé exactement la même ambiance. Hein. Enfin, là, c'est une ambiance différente. Mais j'avais déjà dit la première fois qu'on est arrivé... Enfin, dans le premier épisode,
de ce let's play sur lequel on est arrivé sur l'IAG Ishimura. D'accord, ok, c'est juste pour dire que là-bas c'est... ok. Ok, what the fuck? Scorpio, Black Scorpio, génial mec. Ah mais sans déconner, foutez-moi la paix. Ah mais il y en a combien sans déconner? Stop. C'est bon? On va se soigner, j'ai déjà utilisé un méga kit de soins là, on va se soigner. Donc ce que je disais, c'est comme je disais là, lors du premier épisode de ce let's play, l'épisode 13, quand on est arrivé à bord de l'USG Ishimura, revenu à bord de l'USG Ishimura, on va dire plutôt, ils ont su conserver la même ambiance en la modifiant. Je crois que c'est là qu'il va y avoir un nécromorphe qui m'arrive sur la gueule quand je vais prendre le point de force. Non? Oui? Non? Non. Ok. Bon, bah on se casse alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors. Ça, il faut faire comment? Pas le tirer plus, hein. Voilà, il fait simplement retirer la batterie. Putain de Black Scorpio de merde. Comme si les Scorpios étaient pas assez redoutables déjà de base. Ok. Alors Black Scorpio, c'est aussi c'est juste le truc super chiant quoi. Les Scorpios de base déjà je les aime pas, mais alors les Scorpios Crimson on va dire, c'est encore pire. Donc voyons voir, combien est-ce que j'ai de points de force sur moi? J'en ai 4. Je vais en griller un ici. Parce que c'est une réserve d'urgence et je peux pas me permettre de passer à côté. Ça je prends. Alors par contre j'annonce, on est déjà à 23 minutes de vidéo, donc prochain point de sauvegarde, on va se laisser là. T'es sérieux, 2 mini kits de soins, j'ai fait ça pour ça. Un kit de soins médium c'est déjà mieux. Mais c'est du foutage de gueule sans déconner. Vous êtes pas sérieux là, il y avait pas que ça. Celui conducteur bronze soit, mais il y avait pas que ça. En plus, semi-conducteur bronze, c'est le truc qui coûte encore moins cher que l'or. L'or, il coûte déjà que 3000. Bon, bah, foi. Alors, on va continuer sur le module de stase. Est-ce que je fous deux trucs de charge? Alors, sachant que la charge, je sais pas du tout à quoi ça sert. Ah, plutôt balancer au niveau de la durée. Quoique. Si, il faut que je fasse d'abord la durée. Je sais, c'est pas optimisé, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Après, je ferai la charge sur le, hein, voilà, sur la stase. Mais d'abord, je fais la durée. Pour une simple bonne raison, c'est que on va. C'est vrai qu'en fait, quand on y réfléchit, on peut se poser la question de savoir si Nicole on l'avait affronté et si on l'avait tué une deuxième fois, on va dire. C'est assez dérangeant comme pensée d'ailleurs. Bien, donc nous sommes
Arrivé au point de sauvegarde, la vidéo fait quand même déjà 25 minutes, donc on va se laisser là, gentiment. Je vous ai gâté sur ce point-là. J'ai été quand même beaucoup plus calme que l'épisode 14, ça je dois vous l'accorder. Et je voulais dire quelque chose, mais c'est pas grave, j'ai oublié. Donc sur ce, moi je vous dis n'oubliez pas de laisser un petit like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne, ça prend que quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye. Mon styling.